Il y a du danger évidemment mais il est parti bétiole il n'est pas encore terminé. Belle explosivité encore, un hein, dans ces 200 derniers mètres. Un succès tellement attendu. J'ai ce succès, oui Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode de Contre la Montre. Dans une semaine, le départ de la Vuelta avec un, un casting XXL. On va en parler et on va évidemment parler de l'invité du jour aussi. Je laisse un petit peu de, de suspense. On va le présenter parce que c'est un invité qui marche pas mal en ce moment. Euh, nous avons Frédéric Amorison, bien sûr, qui est présent après la Vuelta à Burgos, le consultant Pix+Sport, euh, je vais dire le de, de renom. Hein. Il, est, il enchaîne les courses véritablement et il est très très chaud, comme la météo d'ailleurs. Comme la météo, une belle semaine qu'on a pu suivre euh, sur les antennes de, de Pix+, avec le tour de Burgos où il y avait beaucoup de, de qualité, magnifique podium, et impatient de voir la, la suite et la fin de cette saison 2023. Et on avait aussi vu la, la course du Stade game On va en parler d'ailleurs avec Julien Gilbert, qui est présent, journaliste pour la DH notamment. Tu as un invité, on va le présenter dans quelques instants, que tu connais bien puisqu'il a remporté ton challenge. C'est important de, de le souligner que tu as créé un, un challenge depuis quelques années qui récompense les, les coureurs wallons. Merci d'être présent avec nous, Julien, pour parler de la Vuelta, pour parler de Lionel Tamigno. Bonjour, Julien. Bonjour, Gabriel. Et donc, bonjour, bonjour, bonjour. Lionel Tamigno. Peut-être euh, l'un des coureurs en forme. Vraiment, et pourtant, bah, c'est un petit peu compliqué de, de voir son nom dans les start list des prochaines courses. Lionel, merci d'être à nouveau présent avec nous. Merci tu à toi étais pour venu, Tu étais venu en juin euh, venir parler un petit peu euh, de ta situation, de ton mm -hmm. état de forme. Il y a eu du changement d'ailleurs, directement après ton épisode dans, dans Contre-la-Montre. On a vu, on t'a donné des idées. Tu allé chercher un, un podium sur le circuit de Wallonie. Oui, ouais, c'est vrai. ça... Bon, ça peut-être mis quelque chose en route. On était euh, pas mal ici en forme et, et bien décontracté. Euh, bah, C'était chouette la, la fois passée. J'étais impatient de pouvoir revenir ici. Ouais. Ah, impatient, hein, parce que il faut quand même le souligner. Euh, tout à l'heure, on va bien évidemment participer au quiz. Cet euh, épisode, c'est un épisode all-star véritablement parce que c'est la première fois, lors du quiz tout à l'heure, que l'on va, enfin en tout cas, que l'on va retrouver trois vainqueurs déjà pour se battre. Euh, c'est la première fois que ça arrive. Donc, euh, on verra bien ce qui, ce qui va se passer tout à l'heure. Ça va être intéressant. Ça va être une, une belle lutte. Bon, Lionel, un week-end euh, excellent, parfait. Euh, septième du côté de, de la course aux raisins et puis troisième hier euh, du côté de, de Grand Prix Stade de Game. On a l'impression parce que c'est la, la nouveauté aussi, hein, on l'a appris il y a un mois, tu vas partir de l'équipe Alpessine on a la pression que ça va te libérer justement ce, ce départ vers la formation euh, L'Auto Destiny et ça a commencé ce week-end avec, euh, avec des belles performances. Oui, bah maintenant je dirais pas le week-end parfait quand même parce que voilà j'aurais préféré euh, vraiment pouvoir jouer la victoire sur, sur les deux courses. La course de raisin c'était vraiment à la maison pour moi donc euh, je voulais vraiment faire un résultat et je me suis un peu loupé au sprint. Et hier, à Zotagame, je fais 3 je fais après une, une très belle course, mais je tombe sur deux mecs plus forts que moi au sprint, je pense, avec un peu plus de classe aussi, un plus gros palmarès aussi. Donc, c'est pas, euh, pas mauvais de faire 3 derrière, derrière ces deux mecs-là, mais j'aurais préféré jouer la victoire quand même. T'aurais préféré mieux, Frédéric, justement commenter le, le Grand Prix Stade de game à un certain moment de, de cette course. On avait la sensation qu'il y avait un petit peu de, de, de bah, je vais pas dire des, des, des embrouilles, mais en tout cas au niveau de la tactique, c'était pas très clair. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti, Frédéric, euh, Frédéric et, et Lionel. Frédéric, c est, c est, on, on, est, on a clairement eu l'impression qu'il y avait un, un souci dans l'équipe alpesine à un certain moment. Ben c'est vrai que la, la stratégie mise en place par l'équipe Alpecin était particulière puisque Lionel était dans, dans ce petit groupe de, de quatre sur l'avant. Donc dans ces conditions-là, on a toujours tendance à donner l'avantage au gars qui est sur l'avant. En plus, il a une belle pointe de vitesse et puis ses euh, coéquipiers derrière qui ont relancé euh, sans cesse la course. Donc oui, c'était surprenant. À la fin, le, le résultat euh, n'est peut-être pas celui espéré par par l'équipe de Léo qui, qui roulait pour jouer la gagne. Donc c'est toujours dommage d'avoir une situation comme ça qui se met en place. Maintenant, on a une formation l'autodécision. Qui, qui survole le peloton euh, ces derniers temps, que ce soit avec Arnaud Dely, avec euh, Victor Campenarts ou encore hier avec euh, Jasper De Beuys. Donc à la fin, on n'est pas certain que ça aurait changé en termes de, de résultats, mais c'est toujours un peu compliqué. On a des garçons qui vont rester dans la même formation, des garçons qui quittent une équipe en, en fin d'année ne sont peut-être plus prioritaires, que ce soit en termes de résultats ou même en termes de sélection. Et donc, par rapport à, à ce week-end, justement, avec, euh, sur la course au raisin, déjà euh, des coureurs qui se succèdent, mais pas dans les premières positions. Tu étais le premier coureur de, mm -hmm. de la formation Alpécine et puis on retrouve un coureur à la huitième position, un coureur à la 9e. On, ressent un, on a ressenti un petit souci. C'était comment euh, le débriefing de ce, de ce week-end du côté de, de ton équipe, euh, Lionel On a compris que tu avais été un petit peu déçu. Oui, ouais, bah pour, pour moi, c'était, comme tu dis hier, une situation idéale à l'avant, et, et l'équipe a un peu relancé derrière. Maintenant, voilà, je, comme, comme tu dis, je quitte l'équipe et. On donne un peu plus de, de confiance ou de, de possibilités à des coureurs qui restent dans l'équipe. C'est peut-être normal aussi, mais euh, j'essaye de ne pas, pas trop faire attention à ça et de, de faire ma course aussi et de faire un résultat. Enfin, je pense que ça, ça a bien marché jusque-là. Maintenant, la course de raisin 7, 8 et 9, euh, je pense que c'est plutôt. Enfin, euh, Driss de Bonne, t'as roulé pour moi pour le sprint et malheureusement, je plus rien dans les pattes. Donc, on fait les deux derniers des groupes. Et Timo Kilich euh, gagne le sprint du groupe derrière. Donc, ce pas qu'on. Ouais. On a fait chacun notre sprint non plus, donc euh, le résultat ne joue pas vraiment euh, en notre faveur par rapport à ça, mais je pense que là, la, la tactique était assez claire et assez correcte, et on tombe euh, trois fois sur euh, une équipe loto qui, ouais, qui est super forte. Euh, en et ce que moment tu vas rejoindre. Qui, que je vais rejoindre euh, l'année prochaine, oui, j'attends ça avec impatience un, un aussi, et je pense que j'aurai mes, mes chances là-bas de temps en temps, mais euh, si j'ai n'ai pas, pas ma chance assez, ben, au moins je travaillerai pour des... Des gars qui gagnent des courses maintenant, et où il y a une bonne ambiance dans l'équipe, donc. Rechercher une, une spirale de positive. Oui. Ouais. Julien, tu étais euh, certainement en boulot au moment où l'annonce est tombée pour pour annoncer la, la venue de Lionel Tamino chez chez l'AutoDestiny l'année prochaine. C'est un transfert qui qui a fait plaisir à, à écrire un petit peu. Effectivement, et c'est un transfert qui. Mais je te l'avais dit la semaine passée au téléphone, qui ne m'a pas vraiment surpris, parce que j'avais déjà vu plusieurs fois euh, Arnaud Delis et Lionel Tamigno, après des courses ou avant des courses euh, rigoler ensemble. Et je me disais, ça a l'air de bien coller en, entre eux. Pendant et... la course, c'est un peu plus compliqué. Ah, oui, oui, <laughs> oui, oui, oui. <laughs> J'ai dit avant et après. <rire> <oui>. <rire> et, euh, et avec ton profil, avec, euh, avec ton, ta pointe de vitesse, je me disais que c'était mmh. un, un très bon renfort pour l'équipe Lotto Destiny. Pour intégrer la garde rapprochée d'Arnaud Dolly du, du taureau à Arnaud qui est, qui est le, le coureur du, du futur je pense ouais. et euh, mais je pense que dans cette équipe tu ne seras pas cantonné qu'à ce rôle là tu pourras aussi avoir avoir ta chance sur, sur un autre programme ouais. je pense bah, c ce c aussi ouais, c'est ce qu'on qu a, ouais. ce qu a, ce qu a un peu discuté avec l'équipe et je pense que bah, voilà, ça, ça va bien se mettre en place et c'est une équipe qui qui était dans le retour il y a quelques années qui est redescendue et qui a vraiment l'ambition de de revenir dans le retour et qui a besoin de, de beaucoup de points pour ça et qui a besoin de vraiment gagner des courses et, et de marcher. Donc, je pense que c'est en ma faveur d'être dans une équipe comme Explique ça. Explique-nous un petit peu justement les circonstances de, de cette signature. On le sait qu'il y a eu un petit message qui, qui est passé par… Euh, par ah oui, Arnaud m'a envoyé un petit message pour me demander comment, allez, comment était la situation pour l'année prochaine. Euh, J'étais sans contrat et… Et j'avais envoyé aussi un message à l'équipe sans, sans vraiment avoir trop de réponses. Et, euh, et Arnaud m'a dit ben voilà, on va se téléphoner une fois et on va, on va arranger ça. Et, et je pense que deux semaines après, euh, c'était quasi fait. Donc, euh, ouais. Frédéric, un, un bon transfert donc, pour la formation L'Autodestiny. On va un petit peu parler de, 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 de l'aspect sportif, bien sûr, de cette, de cette <coughs> formation qui enchaîne les bons résultats avec du De Boys avec du Milan Menten. Il y a Arnaud Delis, bien sûr, mais sur tous les fronts. On, on gagne, on a vécu ici des, des, une dernière semaine tout simplement incroyable, ça avait commencé déjà sur la Polynormande avec, avec Arnaud, l'arrivée l'année prochaine d'un Lionel Tamino, ça a apporté encore une chance d'aller chercher quelques résultats en plus sur, sur ces courses-là. Très certainement, on a vu une nouvelle dynamique dans la formation lotto Desni. un seul coureur peut-être a déçu tout au long de l'année, c'était le grand leader de cette formation dans les sprints hein, qui est pour le reste les garçons qui se sont mis au service d'Arnaud Delis lorsque celui-ci est absent pour différents en raison arrive à, à performer plus bel exemple, c'était ces derniers jours avec Jasper De Beuys et Victor campenart Et pour Lionel, oui, comme a dit Julien, par rapport à son profil dans une équipe comme ça, il y a beaucoup de courses qui vont pouvoir lui convenir et puis ça va être une motivation supplémentaire de pouvoir travailler pour un garçon comme Arnaud Delis. Quand on voit sa progression année après année, encore ces dernières semaines, c'est une motivation supplémentaire de travailler pour lui et quand ça vient d'un leader qui vous contacte pour essayer d'arranger les choses pour pouvoir intégrer cette équipe, c'est tout simplement quelque Quelque chose de, de top. Donc, on souhaite le, le meilleur à, à Lionel et on est persuadé que sa carrière ne va faire que, que débuter à partir de la saison 2024. Mais parce que oui, j'ai l'impression vous... que ça fonctionne vraiment bien pour l'instant euh, dans cette équipe, qu'elle est vraiment dans une bonne spirale. J'étais mardi passé à, à Louvain, euh, le tour de, tour de Louvain, l'ancien okay. Grand Prix, euh, Jeff Redman remporté par Arnaud Delie dans une course. Bah, tu y es, tu y ah, étais, 30, oui. 34e ou 37e, <laughs> mais, mais dans, une, dans une course qui a été dominée du, du début à la fin par, par l'autodestiny, ils étaient en, ouais, en supériorité non, numérique dans, dans, dans le final et, euh, et j'étais sur la ligne d'arrivée et il y avait vraiment une complicité entre, entre tous les coéquipiers, bien sûr. Quand une équipe gagne, tout, tout le monde a le sourire sur, sur la ligne d'arrivée. Mais là, c'était vraiment sincère au niveau des, 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 des accolades. Et... Tu te réjouis de, de, de rejoindre cette ambiance-là, Lionel. Oui, oui, vraiment, ça se voit, enfin, ça se voit à l'extérieur et ça se voit dans le peloton aussi. Tout le monde roule pour un leader et ce n'est pas toujours le même, ça, ça change un peu. Il y a des situations de course où, où ils font confiance à des mecs aussi qui, qui peuvent faire un résultat et ils sont toujours dominants sur la course et ils essayent toujours de, de vraiment avoir la course en main, je pense que Campenhart, au euh, drave course, ouais. le, le samedi, il a été lâché deux fois, il n'était il était plus en course alors qu'on était 20 mecs devant et il réussit quand même à rentrer avec un petit groupe. Et au final, il, il attaque sur la fin et personne ne s'est suivi, il avait encore les jambes. je pense que c'est... Voilà, quand, quand il était lâché, les autres coureurs n'ont pas roulé non plus à fond ouais, avec le groupe ça. pour le laisser revenir et ils se font confiance les uns les autres, et ils sont vraiment contents quand quelqu'un de l'équipe gagne, je pense que c'est... Peu importe qui de l'équipe, c'est est pas dans toutes les équipes pareil. Une, une ambiance, une spirale sp positive, très clairement, qui, qui, qui mène un petit peu les coureurs vers le haut, hein, de toute façon. Frédéric. Oui, ça booste réellement. Il y a eu la déception l'an dernier de, de quitter le, le World Tour, une année un peu compliquée, sauvée peut-être uniquement par Arnaud Delis, mais on voit que ce, cette année, les transferts ont été réussis. Des garçons qui venaient d'équipes peut-être moindres, mais qu'on leur donne la, la possibilité de travailler pour des leaders ou d'aller chercher des résultats. Donc ça se ressent dans cette ambiance. Et c'est vrai que lorsqu'on a des, des victoires qui se qui se Succède, bah, ça augmente encore ce côté bien être d'essayer de, de mieux performer sur la course suivante euh, donc voilà il y a eu un changement aussi en termes de, de management dans, dans cette formation ce sont toutes ces petites différences qui au fil des mois arrivent à améliorer la, la qualité des résultats est ce que lionel tamino va, va participer à plus de classiques world Tour à l'avenir en tout cas est ce que ça a été discuté lors de ta signature est ce que tu vas euh, faire partie de cette équipe de classiques parce que c'est mon ambition ouais. ouais. Mais pas pas comme leader mais je pense que euh, Arnaud a vraiment envie de, de jouer la gagne sur, euh, sur des courses all-tour et, et sur les classiques à partir de l'année prochaine. Et je pense qu'il a, il a vraiment le potentiel. Maintenant, euh, si, si je peux être équipier, euh, on va dire, euh, modèle dans, dans ces courses-là et que je peux découvrir ces courses-là euh, pour une équipe qui, qui a vraiment l'ambition là-dessus, euh, ça, ça me ferait énormément plaisir et je ne serai pas leader sur ces courses-là. Mais ça peu importe, le fait qu'Arnaud fasse des grandes courses l'année prochaine, ça permet peut-être que d'être leader sur des, des plus petites courses, des, des courses où il a gagné euh, cette année mais il participera, participera peut-être plus l'année prochaine donc euh, euh, je pense aux Coupes de France ou, ou les ouais. courses comme euh, Course de Raisin ici ou enfin voilà donc euh, peut-être que non à mon avis, je vais, je vais quand même découvrir quelques classiques. J'espère un peu plus que... Un peu plus, c'est pour Alpecine. ça, c'est là où je voulais en ouais. venir. Parce qu'on aurait voulu voir Lionel Tamignon un petit peu plus dans, cette, dans cet effectif Alpecine. Oui, mais après, ça dépend toujours un ouais. peu des, des leaders, euh, en fonction des, des types d'équipes. On va prendre un ou deux coéquipiers avec vous. Ici, dans la formation Alpesine, ben, il y avait quand même énormément de, de qualité. Donc, si Mathieu Van Der Poel prend déjà un ou deux équipiers, Jasper Philipsen fait la même chose, vous êtes vite avec huit coureurs au départ. Ça a toujours été une problématique euh, dans les équipes comme ça du, du World Tour, du haut niveau hein, pour les classiques. Quand sur une même équipe, vous avez 15 coureurs qui sont taillés pour le même style de course, il y en a que 8 qui seront satisfaits à la fin. Donc, il y a cette importance d'être repris dans ces coéquipiers bien définis autour d'un grand leader. Et je suis persuadé que par rapport à, à Arnaud Delis, ben, euh, Lionel fera partie de cette garde rapprochée. Bon, bon. Maintenant, pour, ouais, pour être honnête, je n'avais peut-être pas ma place dans, dans, les, dans les classiques ouais. World Tour cette saison. L'équipe a, a dominé euh, ouais. une grande partie des classiques avec Mathieu et, et Asper. Et, donc, euh, c'était un bon choix d'équipe et j'y avais peut-être pas ma place, mais ça, ça peut peut-être changer à partir voilà, de prochaine. C'est une question de trouver le okay. juste milieu, justement. Voilà. Quand à un moment donné, vous arrivez en fin de, de cycle, en fin de contrat, si dans une équipe, il y a trop de, de qualité par rapport à la course ou les courses auxquelles vous voulez participer, ben, il faut essayer de, de trouver une autre formation. Et ici, dans cette équipe qui est plutôt bien balancée, mm -hmm. on n'est pas toujours sur un profil plutôt flandrien il y a moyen de, de vraiment faire sa place. Ouais. Bon. On va parler un petit peu de, de la Vuelta, on va rentrer dans notre séquence. Pas de Vuelta pour toi, du coup, hein, Lionel Je <laughs> pense que, voilà, je ne vais pas citer la raison, mais il y, y a un peu. C'était prévu au début de saison et, et le programme a changé, mais c'est un choix de, de l'équipe que, que je peux comprendre. D'envoyer euh, plus de jeunes coureurs, de, de grimpeurs et des, surtout des, des coureurs qui, qui restent dans l'équipe et qui, dans lesquels ils veulent investir. C'est suite logique euh, par rapport à mon, mon choix de, de changer d'équipe. Bon, tu n'es pas sur la Vuelta, mais par contre, tu vas en parler avec nous. On va un petit peu préfacer cette Vuelta, en tout cas, essayer d'aller chercher un petit peu les coureurs belges qui vont pouvoir bien performer, notamment sur cette Vuelta. On va parler de Remco, on va parler des équipes, bien sûr, favorites. Je fais mon petit poète-poète, comme vous le savez bien, je l'adore. Je vais essayer de le faire de la meilleure des manières encore une fois. Et voilà, c'est parfait. Euh, voilà une Vuelta. <laughs> le spécialiste. Écoute, oui. klaxon. tu t'entraînes à la maison bah, tout, oui. tout le temps, ouais, tout le temps. Mais j'ai une, une petite boule anti-stress eh aussi, oui. et parce que juste avant contre la montre, il faut bien que je eh me oui. déstresse, et donc je, je malaxe cette boule euh, <laughs> et, en et, permanence. Et donc directement, en fait, au niveau ici du, du muscle, bah, ça, 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 for ça force mm. assez, assez bien, et donc. Directement, ouais, euh, ça, ça, ça se ressent. Voilà. Ouais. Voilà, enfin, si si quelqu'un veut une petite boule à un moment donné euh, <laughs> pour, pour malaxer ça, il <laughs> n'y euh, a pas de souci, vous pouvez me, me le demander. Bon, une Vuelta, euh, Frédéric, qui, qui démarre ce, ce samedi 26 août avec un contre la montre par équipe. Une des Vuelta les plus dures, je pense que vous allez être d'accord avec moi, des, des dernières années avec... Euh, énormément d'étapes de montagne pour, pour tous ces, ces grimpeurs d'excellence. C'est le, le grand tour XXL. On parle du Tour de France comme étant la plus grande course. Avec la startlist qu'on a ici sur la Vuelta, c'est peut-être le plus grand tour de l'année à suivre. Difficile de, de faire mieux, un tour terriblement difficile qui va commencer avec un, un contre-la-montre par équipe. Il faudra déjà répondre présent. Une étape de montagne en dehors au bout de, de trois jours. Et puis là, ouais, la startlist, on retrouve tous les meilleurs coureurs du, du monde quasiment hormis. Tadej Pogacar qui lui ne, ne viendra pas sur cette Volta et peu de place pour les, les purs sprinters donc ceux-ci vont s'accrocher jour après jour pour essayer d'arriver à, à la fin euh, mais ça promet beaucoup de, de spectacles et difficile de dire aujourd'hui qui peut avoir l'étiquette de, de favori numéro un il y aura vraiment une équipe qui va arriver avec euh, cette ambition qui a mis euh, les moyens pour aller chercher une nouvelle victoire sur la Vuelta, c'est la formation Yumbo. Euh, pour le reste, tout le monde va essayer de, de jouer sa carte et essayer de détourner les, les pronostics de, de certains spécialistes. Julien, là où euh, sur le Tour de France, on annonçait un duel, voilà sans, sans équivoque, j'ai envie de dire ici pour ce top 3, on a peut-être 6, 7, 8 coureurs qui peuvent... C'est effectivement peuvent beaucoup plus large avec cette start list qui est, qui est incroyable, qui était, je pense, pour les organi organisateurs du Tour d'Espagne, un peu inespéré en, en, en début de saison, mais sans, sans l'abandon de, de, de Remco Evenepoel au, au Giro suite, à, suite à, au coronavirus, euh, sans l'ajout de Vingegaard après sa victoire au, au Tour de France, le plateau n'aurait pas du tout été le, le même. Ici, ça va vraiment être un tour passionnant à, à suivre, avec l'énorme défi de Jumbo-Visma qui a gagné le Tour d'Italie avec Primoz Gorlic, qui a gagné le Tour de France avec Jonas Vingegaard et qui pourrait gagner les trois grands tours sur une même saison ce serait ce serait historique avec, avec à chaque fois Sepkosz comme équipier d'ailleurs oui. ce serait le, leur corps à chaque fois avec Sepkosz mais aussi euh, d'autres coéquipiers de, de grande qualité Wilco Kelderman oui. euh, Van Baal, euh, Tratnik le, le Slovène euh, qui, ouais. qui est bon sur, sur tous sur, sur les terrains Gazing encore et, et j'en oublie un, ouais, un ou deux. Il y a Attila Walter, Attila aussi, Walter le qui Hongrois. est présent dans cet effectif, donc effectivement. c'est vraiment euh, l'équipe favorite sur le papier avec avec cet effectif, avec Roglic qui connaît très bien la Volta, il l'a remporté, il l'a remporté trois fois. Il trois fois d'affilée. Il, il s'est préparé et on, on a pu le, le suivre sur sur, sur avec sa victoire sur au, la Volta Burgos. Volta commenté de main de maître, bien non, sûr. Merci, merci. Il, il est en <laughs> forme, il est prêt et euh, il sera associé au, au, au double vainqueur sortant du, du Tour de France maintenant la question est de savoir dans quel état sera Wingard. je pense que c'est Mikkel et, et, et Leisen, euh, ouais. le responsable de, de la performance et Jumbo qui disaient que quand ils préparent leurs coureurs euh, et si tout se passe bien ils savent qu'ils seront prêts mais là, leur coureur. préparation ouais. pour le Tour de France par exemple c'est au moins sur trois mois là il n'y a eu qu'un mois entre la fin du Tour de France remporté par Wingard et, et le début de, de, ce, de ce Tour d'Espagne. Donc, il faudra voir quel sera son, son état de, de fra fraîcheur physique, mentale aussi, après avoir euh, lutté contre Pogacar au, au Tour de France. Donc, ça, c'est vraiment l'équipe Jumbo visma favorite sur le papier. Maintenant, il y a notre, notre Remco national, notre champ champ champion du monde du, du contrôle à montre, qui, qui en a fait un objectif, qui, qui, qui prépare ce rendez-vous depuis, de, depuis l'été. Peut-être même avant, nous, il, nous ouais, a dit, ouais. il nous a dit, en tout cas dans les conférences de presse euh, qui, ou dans, dans les déclarations après, après son, sa victoire au championnat de Belgique, qu'il hésitait encore à, ouais, à ce moment-là et il l'a décidé au, au, à son stage d'altitude ouais. en, en juillet, mais peut-être qu'il le préparait déjà un, un, un peu avant. Frédéric, il le préparait déjà, non si. Je pense que oui, après, <laughs> euh, sincèrement, euh, même si on n'a jamais vraiment communiqué au sein de la formation euh, Soudal Quickstep, mais avec l'abandon du covid sur le Tour d'Italie, une période euh, assez calme, il est revenu sur le, le Tour de Suisse. Pas vraiment à son niveau mais dans son évolution personnelle pour des grands tours dès 2024 l'évolution de son équipe c'était presque une obligation de passer par la vuelta pour encore continuer à améliorer son niveau voir le travail qui reste à faire pour l'équipe belge pour jouer les, les premiers rôles alors ce ne sera pas facile parce qu'il va arriver par sa, des armadas qui sont déjà hyper hyper fortes euh, collectivement mais ça va lui donner en tout cas la marge à suivre pour voir qu'est ce qu'il faut encore améliorer euh, pour jouer euh, des victoires Potentielle et pourquoi pas euh, dès 2024 sur un, sur un Tour de France. Lio, quand tu as vu ce, cette équipe jumbo, hein, cette euh, sélection, il y a là vraiment, euh, je vais dire, euh, la possibilité d'aller chercher, d'aller mettre un de ces coureurs-là dans, dans, dans quatre ou cinq équipes pour aller jouer, la, en tout cas, le, le, les classements généraux sur, sur plusieurs grands tours. Je parle de, de Roglic, bien sûr, c'est un leader. Vingegaard, bien sûr, c'est un, un leader, mais il y a Kuss, il y a Kelderman, il y a Attila Walter, euh, il y a c'est une sélection xxL on peut pas faire mieux franchement euh, je pense que sur papier ils peuvent euh, ils peuvent pas faire mieux Mais non, et voilà un mec comme euh, comme van art autour de france il en vaut peut-être deux donc euh, <laughs> c'est aussi c'est aussi un peu compliqué de ne pas l'avoir lui sur euh, sur des équipes Allez, des étapes plates euh, ouais. des étapes compliquées mais ici il y en a il y en a pas des masses et euh, je pense que bon est ce qu'il fait vraiment la différence sur un chrono par équipe euh, je, je pense pas donc euh, ils ont sur papier vraiment la, la meilleure équipe possible pour eux pour pour ce tour d'Espagne euh, maintenant il faudra juste voir euh, si si Vingegaard et Roglic euh, se tirent pas un peu dans, dans les pattes non plus et si voilà si s'ils si, arrivent à, à trouver ouais. une on va dire une entente euh, je sais pas moi après après une semaine et demie ou deux semaines de vraiment pouvoir se dire ouais. euh, c'est lui le meilleur et on va on va à fond pour pour lui pour le général mais c'est sur papier, on ne sait pas encore dire euh, qui, qui va essayer de ga gagner ce Tour d'Espagne. Avec, avec ce parcours, on sera vite fixé, ouais. parce qu'après le contre-la-montre par équipe à, à Barcelone, qui est, qui est assez, assez roulant, le lendemain, il y a directement une étape pour euh, Puncher à Barcelone, avec euh, l'arrivée à, à Montjuic. Mmh. Mont et, et le troisième jour, c'est une arrivée en, en altitude en, en Andorre. Donc là, il y aura déjà des indications sur l'état de forme de, de certains. Alors, le Tour d'Espagne de, tour ne sera pas fini après, après cette troisième étape, mais euh, il y aura déjà des, des indications, même au sein de l'équipe Jumbo Visma, hein, au mmh. niveau de, de, de la forme de, de Roglic et de et, de et C'est parce qu'on parle aussi donc de, de Jumbo Visma par rapport à, à l'équipe euh, Soudal Quick-Step, par rapport à cette victoire finale. Mais on doit citer également l'équipe Ineos, qui est très intéressante aussi, avec Kéren Thomas, qui va revenir à, avec un esprit assez revanchard, certainement par rapport à, au dernier Giro. Il est accompagné de plus, de Castroviero, de Bernal, de Arensman, une équipe euh, vraiment très costaude aussi. En, en allant euh, un peu plus loin, on peut aller chercher l'équipe UAE aussi, avec Jay Vine, avec Juan Ayuso, qui vient aussi pour, pour se tester, hein, pour, euh, avec ce rôle de, de leader. Une équipe avec... Almeida, Marc Solaire, Olivera. C'est, c'est, il y a plusieurs équipes qui ont mis le paquet, clairement. Ça va être, euh, on, on va partir un petit peu sur notre débat par rapport aux Belges. Ça va être compliqué. Euh, euh, on n'a pas encore l'exactitude, en tout cas, par rapport à la sélection de la formation Soudal Quick Step. On sait bien que, que l'on devrait avoir Louis Vervac, Maury Van Sevenant. On le sait l'on n'aura pas Ilan Van Wilder. On va peut-être avoir Yann euh, Hirt avec lui, Peter Seri. Mais, mais quand on regarde ces, ces trois équipes et on le sait, c'est, c'est les trois meilleures équipes, Fred. Hein. Mais uh, Jumbo, Ineos, UAE, comment peut faire uh, l'équipe uh, Soudal Quick pour rivaliser avec ça bah, Tout simplement, dans, dans l'équipe de, de Patrick Lefebvre, un seul objectif, c'est d'amener uh, Remco dans les meilleures conditions possibles. On n'est pas là pour jouer uh, des étapes pour les, les sprinteurs. On va donner le, le maximum sur le contre-la-montre par équipe pour perdre le, le moins de temps possible. Et puis, ce sera essayer de l'accompagner le plus longtemps possible dans, dans la haute montagne. Alors, dans d'autres formations, oui, quand on vient de, de citer ces équipes avec les noms présents, que ce soit chez Ineos, chez UAE, entre Ayuso, J. Vine, euh, avec Bernal, on va voir où est-ce qu'il en est, puisque sur le dernier Tour de France, c'était quand même difficile le retour. Mais Aronsman, l'an dernier, qui doit faire cinquième ou sixième de, de la Vuelta. Guerin Thomas, deuxième du Tour d'Italie. Donc là, on va toujours avoir des, des doublettes ou des triplettes qui peuvent créer la surprise faire du, du mouvement. Même chose avec Winckelgaard et Roglic. Donc, la position de, de Remco Evenepoel, cette équipe, elle est connue depuis longtemps. Il aurait fallu peut-être à Ilan Van Luyder pour l'accompagner, mais on a entendu récemment les déclarations du jeune coureur belge qui a prolongé, peut-être d'ailleurs le meilleur un renfort, mais c'était un renfort qui était déjà présent dans l'équipe pour accompagner Remco dans, dans le futur, mais qui ne veut pas non plus complètement déjà se, se sacrifier dans un rôle de pur coéquipier, parce qu'il a beaucoup de talent, qui lui va découvrir le, le Tour d'Allemagne en tant que leader. Donc oui, Remco va devoir euh, mettre les, les bouchées doubles pour être hyper vigilant. Maintenant qu'on est vraiment dans de la haute montagne, bah, même si vous êtes un peu isolé, ça va se faire à la pédale. Si vous êtes très bien dans une excellente condition... Ben, il faudra essayer de, de suivre ces tout grands favoris qui ont déjà remporté ben, différents grands tours. Ouais, et puis, il y a aussi euh, du côté belge, euh, Canneute Brooks, euh, Julien, qui va venir euh, se découvrir sur la Vuelta. Et, et on en attend beaucoup de lui. Hein. Il est dans une belle équipe Bora. On imagine qu'il va être partagé entre euh, saisir sa, sa chance, faire le meilleur résultat, mais également travailler pour, pour Vlasov. Effectivement, travailler pour Vlasov, alors pour lui, ce sera une première expérience, voir comment il va résister euh, sur une épreuve de, de trois semaines, ce sera son, son premier grand tour, qui en est un très grand talent aussi, hein. il a fait d'excellentes prestations sur, euh, sur les épreuves en, en Suisse, la Tour de Romandie, le tour, tour de Suisse, euh, ancien vainqueur du Tour de l'Avenir l'an passé, euh, je suis très curieux de voir ce, comment il va s'en sortir sur ce, sur ce Tour d'Espagne euh, pour une victoire d'étape, pour un classement général, ça, ça reste à dé déterminer. Tout dépendra de son travail pour, pour Vlasov. Euh, il y a aussi d'autres Belges qui seront à suivre. Je pense, euh, le jeune de chez Lotto euh, destiny l Lennart Van Edveld, ouais. euh, ce sera aussi son, son premier grand tour, qui a fait des, lui aussi d'excellentes prestations euh, sur les épreuves par, par étape. Alors, peut-être pas pour un classement général, mais euh, pour, euh, pour viser des, des coups sur, sur des étapes. Et alors, oui, comme tu l'as dit, euh, Sylvain, Sylvain hein, hein, Moniquet, effectivement. Mm -hmm. Pour la formation, l'Autodestini, qui, qui, qui était déçu de ne pas être sur le Tour de France après ses, ses belles prestations sur, sur le Tour de Suisse. Sylvain Moniquet, qui rentre dans une période qu'il aime bien. Il était huitième, euh, notamment du, du Tour d'Allemagne l'année passée à cette période-ci. Il va sur la, sur la Vuelta. Lionel, j'imagine que tu restes bien en contact aussi avec Sylvain, que tu as pu euh, côtoyer ouais. aussi à, à l'époque euh, du côté de, de, de formation chez les jeunes, hein, chez euh, Chevigny d'abord, et puis euh, ouais. chez euh, les formations de développement de, de l'équipe wallonie bruxelles l'année prochaine tu vas retrouver sylvain aussi qu'est-ce que tu peux quest qu'on peut attendre d'un coureur comme sylvain Moniquet sur cette volta bah, je pense que ça il va, il va avoir sa chance sur, sur quelques étapes et il va je pense que le général bon il ne doit pas vraiment regarder à ça mais vraiment viser quelques étapes où où ça est vraiment arrivé en montagne euh, et euh, il s'est préparé énormément pour, pour cette volta j'étais euh, à livigno en stage d'altitude aussi il était il était là bas maintenant il est à andorre je pense que depuis depuis le 15 juillet, il a dû passer deux jours à la maison. Donc, euh, il, est, il est vraiment full focus sur, sur cette Vuelta. Et je, je lui souhaite le meilleur parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, qui a du talent et qui, que quand c'est une arrivée euh, en côte, il peut vraiment faire, euh, faire un bon résultat et faire la différence. Et je pense qu'il a déjà passé un cap cette année en faisant des résultats euh, par-ci, par-là. Par je pense qu'il a été euh, en, en Tchéquie euh, faire, faire des résultats autour de Hongrie. Donc, ouais. euh, c'était. C'était pas mal quand même, c'est un autre plateau, mais ça, ça doit lui donner un peu de confiance aussi pour, pour essayer de viser des, des victoires d'étape, ou des mmh. classements en tout cas, pour être, être tout près de la victoire d'étape sur ce tour d'Espagne. Je pense qu'il a, a vécu un début de saison assez difficile qui, qui n'a pas correspondu à, à ses attentes, ouais. et je pense qu'il a franchi un, un bon cap mental aussi, d'avoir su passer ce cap de, de ce début de saison difficile. Mmh. Il s'est bien relancé, comme tu l'as dit, au, autour de Hongrie, et euh, je pense que s'il va dans une, dans une échappée sur une étape difficile... il pourra aller faire une, une solide prestation comme quand il avait terminé quatrième d'une étape du, du Tour d'Italie euh, l'an passé. Oui, je pense sur, le sur le Oui, mais oui, euh, Sylvain Moniqué, donc que l'on va que l'on va surveiller avec euh, avec euh, beaucoup d'attention bien sûr, d'autant que je, je ne suis plus sûr, mais est-ce qu'il a il a gagné euh, un contre la montre aussi non ici Non, ce c'était pas lui qui avait gagné ce contre la montre. Il a là. sûrement gagné le challenge. Euh... <laughs> ah mais ah, ça, ah, oui, ah, il ah, a si... gagné ah, le ah, challenge avec nos très grands moyens à au DH Challenge Ecoy, nous, nous sponsorisons quasiment l'équipe Lotto Destiny avec quatre anciens vainqueurs, je pense. Et euh, oui. sébastien, <laughs> et sébastien ça c'est qui sera, pardon, qui sera sur le, le Tour d'Espagne aussi pour son ouais. premier grand tour. Lionel Tamino, Arnaud Delis et Sylvain Monique Le challenge de référence. Oui. C'est oui, le challenge oui. de référence, effectivement. Tous les vainqueurs filent chez, mm. chez l'auto un jour ou l'autre. <laughs> Félicitations, bien sûr, Julien, pour ça. C'est important, hein, évidemment, d'avoir ce, ce genre de, de challenge pour, euh, pour le cyclisme en Wallonie, bien sûr. Et euh, Lionel peut, peut, ne, ne dira pas le contraire, tout simplement. Hein. Ça, c'est clair. Du côté des, des Belges, on, avait aussi un, on a aussi un Lorenz de plus dans cet effectif Ineos qui va être là en tant que, en tant que lieutenant pour Guérin-Thomas. Thomas, Frédéric Oui c'est quelqu'un qui a l'habitude de, de travailler d Remco Evenepoel aurait aimé transférer Lorenz de Plus hein, pour l'avoir à, à ses côtés lui a toujours été dans, dans ce rôle hein, que ce soit chez Jumbo que ce soit maintenant chez, chez Ineos donc en termes de victoire d'étape il n'y aura pas de possibilité pour Lorenz de Plus qui va devoir se, se sacrifier notamment pour Guerin Thomas les plus belles chances de, de victoire d'étape oui ce sera à Van Edveld Sylvain Moniquet à Steph Kras qui était très bon sur le dernier Tour, de, le France, Tour de France avant de, de se fracturer la, la clavicule et au vu du parcours Parcours proposé, hein, ce sont des étapes qui sont difficilement contrôlables. Donc, les échappés qui sont assez loin au classement général vont avoir des, des opportunités. Et ces garçons qui sont d'excellents grimpeurs pourraient aller euh, créer des surprises et pourquoi pas remporter euh, l'une ou l'autre victoire euh, sur cette Vuelta. Je vais de demander toi qui es chez Intermarché. Euh euh, où on est Rune et Il est prévu pour est être prévu, euh, oui. au départ de, de la Volta, donc euh, plutôt public. offensif, mais Ça. maintenant mm -hmm. pas avec des qualités de, de plus grand poids. Donc là, on sera un petit peu plus pour un garçon dans, dans des étapes de, de transition. Et puis parmi les rares sprinters qui sont normalement prévus, ce sera euh, Gerben Taysen. Taysen, donc euh, qui avait bien performé il y a quelques années on en cherchant une deuxième place. Maintenant, cette Volta... Paraît un peu compliqué mm -hmm. quand même pour lui. Donc euh, voilà, affaire à suivre. Mais Regot, ce qui était déjà normalement prévu pour le, pour le, le Tour, Tour de France, de, hein. France euh, excellent sur le, le dernier Dauphiné, mm -hmm. aura certainement envie de, de bien performer. Il y aura aussi du côté de la formation Alpecin des garçons comme comme Robert d'ailleurs qui va découvrir la Vuelta normalement donc euh, intéressant bien sûr je pense qu'on peut clôturer ce débat hein, euh, euh, par rapport aux ambitions belges hein. c'est clair que, que l'on a de bons coureurs présents sur sur cette Vuelta avec euh, un petit peu sur, sur tous les profils que ce soit dans la montagne euh, des attaquants aussi et puis euh, des, des sprinters on peut penser notamment à Edward Tuns aussi qui devrait jouer les sprints du côté de la formation Lidl Trek et donc on a parlé de cette de cette Vuelta. Il y a une autre course intéressante. Je fais aller mon petit poids de pour, 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 pour signaler que c'est terminé avec la, la Vuelta. En tout cas, ce sera évidemment à suivre hein. à partir de, de samedi. Ça va alimenter un petit peu tout notre fin de mois d'août, de mois c'est le Vuelta. Mais il y a une autre course qui va évidemment alimenter euh, notre mois d'août et c'est à découvrir bien sûr sur, sur Pix Plus Sport à partir de mercredi. C'est le Tour d'Allemagne. Alors, le Tour d'Allemagne, c'est dans un calendrier chargé. C'est un Tour euh, qui fait euh, Frédéric, pardon, qui, qui a réussi à trouver sa place. Hein. Oui, ça fait maintenant des, des des années qu'il est là même de plus en plus difficile au niveau du, du parcours. Alors, il y a certes la concurrence avec la Vuelta qui va débuter le samedi. Il y a le Rhein-Wittour également, mais là, plus pour les coureurs, plus sprinteurs. Et donc, quand on voit la start list du Tour d'Allemagne, ben, elle est hyper intéressante et on va retrouver comme un des grands favoris Adam Yates, qui était déjà très, très bon ici sur le dernier Tour de Burgos. Ouais, il marche bien une fois que les courses sont diffusées sur Pix Plus Sport. Oui, à mon avis, donc, il, faut, il, faut il est très, très à content voir. de vous dire Allez, allez, Adam Yates donc, euh, Non, ça promet une belle semaine sur la, le tour d'allemagne avec un petit mix entre eux, des étapes bien vallonnées des montagnes arrivées souvent euh, dans, dans les forêts là-bas et puis un peu pour le, les sprinters donc euh, une épreuve bien balancée sur ces cinq jours avec euh, notamment la participation de, de Peyo Bilbao, bien sûr, de, de Jay Inlay, de Brandon, Brandon pardon, McNulty, et surtout la présence de, de Mats Pedersen, Julien, qui est, qui est assez impressionnant depuis euh, le retour du Tour de France, certes mmh. qui était déjà excellent, on le rappelle, avec une victoire d'étape, une quatrième place notamment sur les champs, mais Mats Pedersen, depuis les championnats du monde où il était favori, il ne s'arrête plus. Hein. Il était vraiment très très fort aux championnats du monde. Euh, il a fait, il a fait une super course là-bas, sur le mondial. Malheureusement, il n'a pas été récompensé. Il est tombé sur, sur un. Trois stars du peloton. mondial. Du, aussi. Du, du peloton. Et il fait pas de cyclocross, en fait. Oui. VTT, VTT c'était du... pas il... la même position. Voilà, ouais. <laughs> il a enchaîné avec son, son tour national qu'il qui a remporté d'ailleurs, et puis le, le lendemain il s'est présenté à, à la classique de Hambourg où il a livré un dernier kilomètre phénoménal pour, pour revenir sur, sur les trois échappés ouais. et, et résister encore au sprint alors qu'il y avait du niveau dans, 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 dans le peloton avec tous ses sprinteurs, avec notamment Arnaud Delis qui, qui était là qui fait, qui fait septième, donc il est vraiment en, en, en très grande forme on va continuer donc à, à parler du, du tour d'allemagne et des coureurs comme mats pedersen dans le quiz, bien sûr. Vous savez que j'aime bien faire des, des liens. On va parler évidemment de la Vuelta, on va parler euh, euh, du Tour d'Allemagne. J'ai essayé d'aller chercher des, des petits liens. J'ai fait un petit peu plus euh, simple euh, que la fois passée parce que je trouvais que, que Frédéric devait retrouver un petit peu. On devait retourner un petit peu en bas de la pyramide pour mieux remonter. On va essayer. Euh, donc j'ai été chercher un petit peu plus simple parce que je le trouvais un petit peu laxiste au niveau de l'étude. Euh, manque, euh, manque, euh, manque de temps. Manque de temps par rapport ah, ça aux, aux collègues qui ont pris. Euh, <laughs> plus de possibilités cette semaine. Vous savez, Gordon a des heures et des heures à commenter Burgos ou Zottegem. Ça nous a pas permis déjà d'étudier énormément. Et puis, il y avait d'autres courses à préparer. Bon, par rapport aux autres épisodes, frédéric regarde ce que j'ai écrit ici sur ma petite fiche. Ne pas oublier les instruments. Ah, parce qu'à chaque fois, je, un bon je me tâte. Voilà. Là, c'est écrit en grand. Donc... Euh Vas-y, tu peux te servir, Julien, avec les, les petites sonnettes. Et je souhaite, en tout cas... te vas pour une fois la trompette ouais, c'est parce que Frédéric, depuis ça, le début de, de, de la création de oui, Contre la Montre voilà. tu es avec la petite, les petites sonnettes. Là, maintenant, je te veux avec mon poids de ah, mais C'est le poids de du vainqueur, ça. Hein. Ok, ouvre la poche. Et de l'animateur. Maillot rouge de la Vuelta. Toi, tu avais gagné avec celui-là aussi oui. ah, donc, Avec celui-là, voilà. ouais C'est le poids de qui fait la différence, je pense. Tu penses ouais c'est pas vrai. Ça, c'est ça la même couleur que mon vélo, c'est pas mal. Mais, <laughs> mais, mais, mais ça gagne pas. Fred, ça, ça gagne, gagne pas. pas ça fait pas Mais bon, on je est trois, donc. Euh... Ne le met pas dans ce sens-là parce qu'on voit les réponses déjà. Ah oui, <laughs> je cache. Bon alors, on va démarrer avec euh, le jeu habituel, un hein. My Name Miss, bien sûr. Et donc, je, pour rappeler évidemment les, les petites règles, je parle comme si j'étais un coureur. Je donne des indices et évidemment, vous devez euh, trouver. Qui je suis C'est parti. En 2009, alors junior première année, j'offre un titre de champion du monde à mon pays lors de ma deuxième année junior. Je termine à nouveau sur les podiums des championnats du monde. Peut-être hmm. que trop rapide. Jasper Steven. Ah, il est bon. Ouais. Voilà, il est de nouveau dans un, dans un jour exceptionnel. Ça, c'est certain. Un seul indice, et pas le plus facile, hein, c'est clair, parce que ça pouvait aller, aller loin. Effectivement, Jasper Steven, mm -hmm. champion du monde lors de sa première année junior, devant Arnaud Desmar, notamment. Euh, et puis euh, champion, euh, troisième des championnats du monde en, en Italie, derrière Olivier Lega, qui est Jay McCarthy. Un point donc pour euh, Julien Gilbert. Ah, c'est commence... logique, hein. ça fait 20 ans qu'il écrit des articles. Ouais, sur ça. les coureurs. <laughs> Lio était... Euh... À peine sorti du berceau. <laughs> quand même. Quand même. <laughs> T'es 96 toi là. Euh, ouais. Euh, ouais, 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 ouais. ouais, ouais. ouais mais Non, mais il y a, y a Steven Costo. Euh, malheureusement pour pour te féliciter, j'ai pas une de ces boîtes euh, de chocolat à, à t'offrir. <laughs> ouais. Mais euh, effectivement, j'avais d'autres indices depuis mon passage chez les pros. Je n'ai connu que des équipes américaines. Et il est fidèle depuis euh, maintenant près de 10 ans avec la, la formation Lidl Trek, hein, Jasper Steven. Et donc, euh, c'est le dernier Belge vainqueur du Tour d'Allemagne. C'est pour cela que l'on a été chercher euh, Jasper Stuyven. C'est en, en 2019. Euh, deuxième euh, coureur, attention, hein, avec le premier indice. Je suis le dernier coureur belge à m'être imposé sur les routes du Tour d'Espagne, excepté Remco Evenepoel et Jasper Philipsen. Donc juste avant Remco et et, et, et Philipson, qui était le dernier coureur belge à, à s'être imposé sur le Tour d'Espagne Que Keller Non. Ah. C'était Fred euh, en premier. Ouais. Hein. Philippe Gilbert Non. Oh. Malheureusement. Moi, je, ouais. Bien tenté. Maintenant je, ouais, je suis quasi sûr. Mais... Jasper Philipson il a dit. Excepté, je, ouais, non, excepté non, oui, ah, oui, ah oui Tim Wallens. Tim Wallens, effectivement effectivement. Tu l'avais euh, Lio Non. Bon ouais, voilà. Tim Wellens donc, qui, a, qui, est le, le, qui est le dernier vainqueur donc avant Jasper Philipsen et Remco Evenepoel les autres indices c'était cette saison je me suis imposé sur la route à Telsol avant de tomber sur le Tour des Flandres de me faire faucher plutôt sur le Tour des Flandres t'étais là sur le Tour des Flandres Léo non. non Dommage <rire> <rire> Belle glissade j'ai regardé à la télé aussi mais... c'était pas mal comme programme parce que c'était du vélo et en même temps du bowling c'était <laughs> assez intéressant J'avais trouvé que Tim Wellens avait été exemplaire dans, dans sa réaction oui. pour, ne, ouais, pour ne pas trop charger On rigole on rigole avec ça mais j'ai oublié le nom mais qui qui, qui avait comme une une, enfin, une, une, une une erreur mais ouais bien sûr hein. et donc euh, après une fidélité inégalée je me suis relancé c'est chez UAE cette année donc Tim Wellens qui s'était imposé en 2020 à deux reprises sur la vuelta euh, donc euh, voilà hein, il était tombé effectivement euh, sur le Tour des Flandres mais c'est important évidemment parce qu'on rigole autour de, de cette chute mais euh, évidemment parfois il y a des mouvements de course on contrôle pas tout et mm -hmm. il y a parfois des accidents qui, a, qui arrivent bientôt euh, bien sûr allez on va Partir donc, sur le troisième coureur, et donc euh, à deux points pour euh, le, maillot, le maillot, le maillot, le short vert. Vert. Maillot vert qui est très fort. Oui, hein. ouais. est en train à nouveau de, de prendre le large. Attention. Lionel, je, je te sens, je te sens abattu euh, déjà Moi, je suis deux de longueur d'avance. Il a moyen de le week end en fait. Euh, je te euh, pas, euh, <laughs> la dernière fois, il est parti à 4-0, 5-0. On ouais, non, mais ça devient oh, ouais. ça devient un peu euh... journaliste dans euh, le temps. Hein, <rire> Allez, <rire> troisième coureur. Bah après, c'est son métier quand même de se ouais, voilà, voilà donc, Il euh, prend le temps. Il prend t le donc temps. tu signé un petit peu qu'il part avec, euh, avec un avantage un petit peu. Non, il est payé pour, ah, euh, voilà. pour acquérir des connaissances, donc euh, c'est différent. <laughs> Allez, troisième coureur, en 2019. Alors chez Tim Katusha, je termine deuxième du Tour d'Allemagne derrière le Slovène Matej Moric. Qui suis-je C'est compliqué hein, en même ouais. temps. Je... Ah, ouais, ah, on alors. me sabote. Allez. Non, non il, il essayait quand même. Ah oui, euh, oui, oui, tu oui. tu l'accordes ou pas Oui, oui, oui. Ah, tu me passais le relais en fait. Oui, c'est sympa. <laughs> Neil Politt Oh mince, je pensais qu'il allait se gourer. Ah, oui, <laughs> je pensais qu'il allait se gourer, moi. Donc je dis, allez, voilà, il a, il a essayé de le faire en premier. Finalement, j'aurais dû donner la parole Très à Lionel. Pédale, et ah, pouf. Ouais. Attends, comment il fait C'est je... impressionnant. Sais pas. Impressionnant, donc effectivement, Nils Polit, très impressionnant, Julien Gilbert. Oui. <rire> <rire> Nils Polit, deuxième du Tour d'Allemagne derrière le Slovène Matej Moric. On parlait donc de Matej Moric, euh, normalement je, je, je devais dire ça, hein, mais euh, l'année prochaine, Nils Polit, donc qui va rejoindre la formation UAE. Donc, petite note euh, niveau Mercato, ça c'est l'information bon pour Nils Polit. Là, je suis en train de justifier pourquoi j'ai choisi ce coureur-là dans, dans mon petit quiz. Et donc, en 2019, je suis le seul à avoir accompagné Philippe Gilbert lors de son sacre sur euh, Paris-Roubaix nils Politt, donc facile, julien gilbert. Euh, nils Politt qui a remporté le tour d'allemagne en 2021 et qui sera présent euh, cette année dans une équipe intéressante, hein, bien sûr, avec euh, schwarzmann et euh, jay Inley et donc euh, on va voir ce que nils Politt va pouvoir euh, nous faire sur euh, cette nouvelle édition de son tour national. on est parti avec la séquence euh, le commentateur sans flamme. et donc je vais euh, connecter tout cela. Tu peux déjà prendre, je crois, le, le trophée qui est à ta droite. Je, oh, ouais. je, je crains toujours cette ah. épreuve. Voilà, commentateur sans flamme avec un, un extrait audio. Je me demande si, si vous avez encore la, la référence. C'est pour ça que j'ai été chercher celui-là. C'est parti, on est à attentif. Évidemment, c'est une épreuve de rapidité. Le premier qui trouve remporte le point. Et Julien Gilbert, pour le moment, avec trois points. C'est assez incroyable. Mais il y a moyen de se faire son retard, bien évidemment, dans, dans le dernier jeu. Allez, on écoute l'extrait audio. Et je pense que est en train de savourer. Il sait qu'il a à course gagnée. Là, il a fait le plus dur hein, maintenant. Derrière, ça va se regarder pour la deuxième place. Pour une belle revanche sur l'an dernier où il était tombé dans ce final alors qu'il était devant. Et il doit être en, en communication avec Neil Stephens, son, son directeur sportif, pour avoir des, ou des informations ou déjà savourer, commencer à savourer cette victoire à 200 mètres de l'arrivée. Qui aura fait un joli numéro dans la dernière difficulté du jour pour euh, s'isoler. Et regarder derrière, personne n'a été capable de le reprendre. Personne oh ah, ne s'est même là. rapproché à moins de 15 secondes. Voilà, Et... il a l'air surpris. Alors ah oui, parce même, pas... la... Il ne savait pas trop s'il y avait quelqu'un devant lui. Bah, vous imaginez, ah, C'est n'est pas la meilleure façon de savourer une, une victoire. Mais en tous les cas, c'est bien la victoire pour la deuxième ah. place. Peut-être pour Philippe Gilbert, me semble-t-il. Gilbert oh. qui prend la deuxième place devant Alejandro okay. Valverde. Il y a eu une chute. Une chute, un cours à la formation comme Philippe. Vous ne l'avez pas Du tout. Vous ne l'avez pas ah, je suis content j'ai été chercher Mais un là, extrait tu as... difficile ouais, l'indice ouais, ouais. avec Neil Stephens est... Neil Stephens ouais. effectivement Philippe Gilbert deuxième Oui, c'est ouais, possible que ça faut que je donne un indice alors ouais. faut que je donne un indice il fait ce sera un, un des leaders euh, euh, et un des grands favoris du Tour d'Allemagne qui arrive c'est lui qui avait remporté cette euh, épreuve encore un autre indice la Classica San Sebastian. Oh. 2015. 2015, la Classica 2015. Ouais. Nous voyons tellement des courses. Un coureur de... qui passe la ligne, donc comme, euh, comme on l'entend dans l'extrait, et qui ne sait pas qu'il a remporté la course. Quelle nationalité mmh. Un Britannique. Adam Yates Effectivement, Adam Yates, vous vous, vous souvenez pas de, de cette image si. Adam ah, non, Yates non, oui, passant ah, la oui, ligne. Oui et la réalité était que, tout simplement que dans la dernière ascension, il y avait Greg Van Avermaet qui avait attaqué et qui s'était fait renverser par une moto et donc Adam Yates qui n'avait pas la, la connaissance d'avoir un coureur devant et qui avait donc remporté la Classica San sébastien Malheureusement, à l'époque Lionel faisait déjà beaucoup de vélo, j'étais directeur sportif très occupé, Julien lui avait le temps de regarder régulièrement la télévision, quant à toi Gordon même chose en tant que passionné de cyclisme, tu étais devant les écrans donc je ne pas pas répondre aussi rapidement. À Mais à tu as le point raison. quand même, Frédéric. Grâce aux nombreux indices. Grâce aux nombreux indices. On lui accorde le point Oui. Hein. Donc on est à 3, 1 et donc 0, Lionel. Mais tout est à, à refaire, bien Rien sûr, dans le dernier exercice. Et celui-là, bien sûr, si vous avez préparé. Bah normalement euh, c'est un bon moyen d'aller de, reprendre des points et donc bah Julien qui qui on le voit est encore très fort donc il l'a préparé il va falloir le battre les gars c'est c'est peut-être peine perdue en tout cas quand je vois le, le niveau actuel autour de, de Julien <laughs> de Julien Gilbert c'est pas c'est pas évident alors dernière dernière séquence donc euh, combien de vainqueurs du Tour d'Espagne êtes-vous capable de me citer tout simplement euh, un nombre et donc euh, c'est le jeu de la, de la surenchère. celui qui pense pouvoir en citer le plus peut commencer 4 4 pour Frédéric. 5 5 pour Lionel. 6 6 sur enchère quelque part. Malheureusement un petit peu comme bien moyen les, sur gars. les 20 dernières années. Sur les 20 dernières années, ouais. Je laisse à 6. Personne pour essayer ah. de déjouer Julien Lyo, quand même Allez Lio. Allez 7 hein. Allez vas-y. 7 Lio quand même. Allez Lio. On t'écoute. 8 Ah 8. <laughs> Avant le début de l'émission, je lui dit Julien quas tu fais hier bah, j'ai étudié tous les vainqueurs du, du Tour d'Espagne. Ah, ben bah ouais, euh, ouais, c'est ça. Ouais. Donc euh, à chaque allez. fois qu'on va dire Achille, il va quand même repartir au-dessus. Donc, euh, encore une. J'offre encore, encore une surenchère. Ça va être compliqué. Surenchère, surenchère. Il faut que tu tentes. Neuf. Neuf. Voilà, tu tentes. C'est Lionel Tamino <laughs> qui va tenter. Bien joué, Lionel Tamino. C'est quoi les 20 derniers <laughs> Ouais, c'est les 20 derniers. 20 dernières années. Il n'y a pas 20 coureurs, donc ah on euh, peut dire 18 non. aussi. Vu qu'on a déjà ouais. on fait un triplé. Il a déjà de triplé. T'as combien, neuf 9. il y a eu 10 vainqueurs 10, non, non. 10. 10. Ils, ils veulent 10. tenter vraiment il y a quasiment hein. tous les noms donc. Ouais. bon allez Julien c'est bon vas-y Et bon oui. effectivement 2022 2022 Puis après c'est facile Ça, là j'avais aussi après c'est facile c'est <laughs> roglitch également Roglic. Euh, qui a gagné 3 fois ouais, 2019 2020 et 2021 alors on a les italiens Haru Nibali Haru et Nibali 4 Contador. 5 avec Contador. Roberto Heras, Recordman. Ouais, Roberto Heras, effectivement, 2000, 2003, 2004, 2005. 2006. Ah ouais, ouais. ouais. euh, les Anglais, Simon Yates et. 7. Chris Froome. 8. Et plus qu'un, donc. Hein. Non, il a dit 10. 10. 8. Valverde en gagne Ouais, 9. Contador, j'ai dit Quant à tu as dit Valverde, donc c'était en 2009. Ouais. Si hésite sur le dixième, je pense que je peux te donner un indice. Ouais, moi aussi. <laughs> Denis Smenchov. Effectivement, bon, 10. C'est pas lui que je pensais. Mais... Et, et j'ai l'impression qu'il peut continuer sur sa lancée. Il a gagné. <laughs> ouais, il a gagné, il a gagné. Que... Bon, oh la main euh, Quant à j'ai dit... Ah oui, il y a... Il y avait un chauve comme moi, un oui. vieux. Oui, exactement. <laughs> c'était lui <laughs> qui avait Moi, Léo, on a pensé au même gars. Chris Horner. Chris Horner ouais. a gagné, je ne sais plus à quel âge. Ah, plus 41 40 ans. ans, je ah, ouais, pense. Ouais, ouais, 41 ouais. ans, Chris Horner, c'était en 2013. Personnage euh, sympathique. Il était passé chez Lotto Oui. Était ouais. Et dans... Il était euh, chez Trek, je pense. Je ne sais plus dans quelle équipe il a gagné. Je pense que c'est très, très Radio Shack, c'est ça. Ouais, ben bah voilà, écoutez, euh, Julien Gilbert au-dessus du lot, au-dessus de la mêlée, ah, oui. dans ce quiz XXL. Voici le, le bidon de la victoire, une nouvelle fois. J'étais en congé ce week-end, donc j'étais frais. C'est ta quantième victoire là de dans contre la montre, 3 C'est surtout le nombre de trophées qui. a... Ouais, mais, mais c'est pour ça. Ouais, ouais, si est il encore grand... il la maison. Voilà. Mais il a assez pour le ravito. Hein, oh, en ça, tout cas, là, oui, c'est oui. certain. Ah, oui c'est une biais 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 sur le vélo dedans. Dedans. Oui. et le prochain ouais. vainqueur de, du challenge de l'ADH qui va recevoir un bidon il <laughs> <laughs> va leur peindre. hop elle est faite on se <laughs> met contre la montre oui. ben, messieurs en tout cas merci de, de nous avoir accompagnés pour parler de la Vuelta pour parler de, de l'avenir bien sûr de, de Lionel Tamigno pour parler de ce Tour d'Allemagne qui est euh, disponible sur PIX plus Sport à partir de mercredi avec euh, Gérard Bulens à mes côtés aux, aux commentaires. après avoir passé une belle semaine avec, euh, avec Frédéric Amorison sur la Vuelta et donc un beau vainqueur une nouvelle fois Julien Gilbert merci à tous de nous avoir suivis merci Frédéric de ta présence merci à vous à bientôt merci Lionel et on te souhaite euh, plein de succès en tout cas sur les dernières courses où euh, Alpecin voudra, voudra bien t'aligner et puis sur euh, les autres évidemment dans normalement dans années... il sera cet merci hiver vous. dans les épreuves du cyclocross sur Pix ah bah voilà c'est l'info <laughs> du jour dans, dans les bars alors il voilà. <laughs> faudrait être attentif <laughs> À 10 games, peut-être, euh, Lionel. Sûr. Sure. Sûr. Sure. <laughs> C'est déjà <laughs> voilà. prévu. 28. 28 décembre. Excellent. Et donc, merci, uh, Julien Gilbert, qui repart encore avec un beau trophée. Merci, Gordon. Salut, tout le monde. Merci à tous.